Ce n'est pas parce que je ne montre pas mon cul que je ne peux pas percer, ok? Je veux 1 million d'abonnés avant Noël, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Petit tout, est-ce que tu as pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année? Oui. Ah bon? Dites-nous. Qu'on me donne plus de pâtés, de croquettes et de jouets. Non mais petit tout, ça marche pas comme ça. C'est des engagements que tu prends sur ton comportement, comme faire moins de bêtises. Adapte juste ta trajectoire, encore et encore. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu n'as pas assez de temps, pas les bons contacts, pas la bonne éducation ou pas assez d'argent? Je vais te dire ce qui te manque vraiment. La détermination, la volonté, le courage, la discipline, la persistance de continuer. Même quand rien ne va. N'abandonne pas! La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête qui dit d'abandonner. Dis-lui, non, je ne suis pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu dois vouloir réussir autant que tu le vis. Et là, tu réussiras, comme ton cœur est en train de battre à chaque instant. Et n'oublie pas que chaque battement est une victoire. Chaque pas en avant est un succès. Alors tant que ton cœur bat encore, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas toi, qui? Personne ne va le faire à ta place. Mais il n'y a aucun challenge que tu n'es pas capable de surmonter. Le poids de ton fardeau ne sera jamais plus lourd que la force qui dort en toi. Petite technique, quand vous avez un ami qui fait une boulie et qui tire, il n'y a qu'une solution. Vous lui rendez sa liberté, sans laisse. Allez, vas-y mon gros. Et il tire plus. T'es pas aimé mon chéri, hein? Hein, t'es pas aimé par beaucoup de gens. Encore un monsieur qui passe en vélo, qui l'insulte. Non mais les gens, ils sont fous. T'es vraiment pas aimé mon amour, hein? Heureusement que t'as une bonne maman, hein? Heureusement que t'as une maman qui t'aime de tout son cœur, hein? Hein mon fils? Ben oui, les gens ils sont pas sympas avec toi mon fils. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, on rentre à la maison? On rentre à la maison, fils? On y va, mon fils? Allez, on va à la maison? Tu vas où? Tu vas où? Oh! Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire... Essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient, et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Si c'était bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Parfois, la meilleure manière d'être heureux est de faire le ménage dans ta vie, dans ton cœur. Faire de la place pour toutes les belles choses que tu souhaites voir arriver. Parfois, la meilleure manière de trouver la paix est de laisser partir ce qui te retient. Ce qui te fait plus de mal que de bien. Ce à quoi tu donnes beaucoup, sans jamais pouvoir rien récolter. Parfois, le meilleur moyen d'atteindre le succès est d'arrêter de trop t'attendre, trop te questionner, et décider d'agir, d'essayer, d'avoir un peu plus confiance en toi, en tes capacités. Ce n'est pas parce que je ne montre pas mon cul que je ne peux pas percer, ok? Je veux 1 million d'abonnés avant Noël, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Petit tout, est-ce que tu as pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année? Oui. Ah bon? Dites-nous. Qu'on me donne plus de pâtés, de croquettes et de jouets. Non mais petit tout, ça marche pas comme ça. C'est des engagements que tu prends sur ton comportement, comme faire moins de bêtises. Adapte juste ta trajectoire, encore et encore. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu n'as pas assez de temps, pas les bons contacts, pas la bonne éducation ou pas assez d'argent. Je vais te dire ce qui te manque vraiment. La détermination, la volonté, le courage, la discipline, la persistance de continuer. Même quand rien ne va. N'abandonne pas! La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête qui dit d'abandonner. Dis-lui, non! Je ne suis pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu dois vouloir réussir autant que tu le vis. Et là, tu réussiras. Comme ton cœur est en train de battre à chaque instant. Et n'oublie pas que chaque battement est une victoire. Chaque pas en avant est un succès. Alors tant que ton cœur bat encore,
Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas toi, qui? Personne ne va le faire à ta place. Mais il n'y a aucun challenge que tu n'es pas capable de surmonter. Le poids de ton fardeau ne sera jamais plus lourd que la force qui dort en toi. Petite technique, quand vous avez un ami qui me dit et qui tire, il n'y a qu'une solution. Vous lui rendez sa liberté sans laisse. Allez, vas-y, mon gros! Et il tire plus. T'es pas aimé, mon chéri, hein? Hein, t'es pas aimé par beaucoup de gens. Encore un monsieur qui passe en vélo, qui l'insulte. Non, mais les gens, ils sont fous. T'es vraiment pas aimé, mon amour. Hein. Heureusement que t'as une bonne maman. Hein. Heureusement que t'as une maman qui t'aime de tout son cœur. Hein, hein, mon fils? Ben oui, les gens, ils sont pas sympas avec toi, mon fils. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, on rentre à la maison? On rentre à la maison, fils? On y va, mon fils? Allez, on va à la maison? Tu vas où? Tu vas où? Oh! Non, je peux pas vous souhaiter de bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire... Essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient, et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Si c'était bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Parfois, la meilleure manière d'être heureux est de faire le ménage dans ta vie, dans ton cœur. Faire de la place pour toutes les belles choses que tu souhaites voir arriver. Parfois, la meilleure manière de trouver la paix est de laisser partir ce qui te retient, ce qui te fait plus de mal que de bien, ce à quoi tu donnes beaucoup sans jamais pouvoir rien récolter. Parfois, le meilleur moyen d'atteindre le succès est d'arrêter de trop t'attendre, trop te questionner, et décider d'agir, d'essayer, d'avoir un peu plus confiance en toi, en tes capacités. Ce n'est pas parce que je ne montre pas mon cul que je ne peux pas percer, ok? Je veux 1 million d'abonnés avant Noël, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Petit tout, est-ce que tu as pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année? Oui. Ah bon? Dis-nous. Qu'on me donne plus de pâtés, de croquettes et de jouets. Non mais petit tout, ça marche pas comme ça. C'est des engagements que tu prends sur ton comportement, comme faire moins de bêtises. Adapte juste ta trajectoire, encore et encore. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu n'as pas assez de temps, pas les bons contacts, pas la bonne éducation ou pas assez d'argent. Je vais te dire ce qui te manque vraiment. La détermination, la volonté, le courage, la discipline, la persistance de continuer. Même quand rien ne va. N'abandonne pas! La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête qui dit d'abandonner. Dis-lui, non! Je ne suis pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu dois vouloir réussir autant que tu veux vivre. Et là, tu réussiras. Comme ton cœur est en train de battre à chaque instant. Et n'oublie pas que chaque battement est une victoire. Chaque pas en avant est un succès. Alors tant que ton cœur bat encore, ne t'arrête pas! Ne t'arrête pas! Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas toi, qui? Personne ne va le faire à ta place. Mais il n'y a aucun challenge que tu n'es pas capable de surmonter. Le poids de ton fardeau ne sera jamais plus lourd que la force qui dort en toi. Petite technique, quand vous avez un ami qui me dit et qui tire, il n'y a qu'une solution. Vous lui rendez sa liberté sans laisse. Allez, vas-y, mon gros! Et il tire plus. T'es pas aimé, mon chéri, hein? Hein, t'es pas aimé par beaucoup de gens. Encore un monsieur qui passe en vélo, qui l'insulte. Non, mais les gens, ils sont fous. T'es vraiment pas aimé, mon amour. Hein. Heureusement que t'as une bonne maman. Hein. Heureusement que t'as une maman qui t'aime de tout son cœur. Hein, hein, mon fils? Ben oui, les gens, ils sont pas sympas avec toi, mon fils. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, on rentre à la maison? On rentre à la maison, fils?
On y va, mon fils. Allez, on va à la maison. Tu vas où? Oh! Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Si c'était bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année, mon cul. Parfois, la meilleure manière d'être heureux est de faire le ménage dans ta vie, dans ton cœur. Faire de la place pour toutes les belles choses que tu souhaites voir arriver. Parfois, la meilleure manière de trouver la paix est de laisser partir ce qui te retient, ce qui te fait plus de mal que de bien. Ce à quoi tu donnes beaucoup, sans jamais pouvoir rien récolter. Parfois, le meilleur moyen d'atteindre le succès est d'arrêter de trop t'attendre, trop te questionner, et décider d'agir, d'essayer, d'avoir un peu plus confiance en toi, en tes capacités.